Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement l'univers et la matière. Dans cette partie, nous allons voir comment la matière évolue et se modifie. En apportant de la chaleur à un matériau, en lui apportant de l'énergie en mouvement, on lui permet de libérer ses atomes les uns des autres. Ainsi, en enlevant les liaisons entre les atomes, on leur offre l'opportunité de s'organiser différemment et notamment l'opportunité de se mélanger avec d'autres atomes et de former de nouveaux matériaux. Par exemple, lorsqu'on mélange de l'huile et du sel et qu'on chauffe le tout, on obtient du savon. Mais aussi, quand on chauffe de l'argile, on obtient des briques dures et des poteries. Ou, quand on chauffe du calcaire, on obtient de la chaux et du ciment. Ou encore, plus simplement, quand on mélange de l'eau bouillante et de la farine, on obtient une boule de foufou. Ce sont des réactions chimiques. Il faut garder en tête que ce sont ces réactions chimiques, suite à des cycles de chaleur, qui ont créé notre planète, la Terre, les montagnes et les rivières. C'est aussi ces réactions chimiques qui agissent à plus petite échelle et qui font que les plantes poussent ou que nos muscles bougent. Il faut aussi terminer en précisant que quand les atomes se reforment ensemble, ils redonnent l'énergie qui leur a été transmise. C'est la première énergie du Big Bang qui se propage en tout l'univers et dans toute la matière. Quand l'énergie libérée par les atomes est très forte, l'énergie en mouvement dégagée devient visible. Sa couleur est d'abord rouge, puis jaune et même bleu en fonction de sa quantité, de sa chaleur. C'est ainsi que le Soleil nous éclaire d'une lumière jaune en redonnant l'énergie qu'il a reçue de l'univers, comme la bougie redonne à sa flamme l'énergie qu'elle lui a prise. C'est ainsi que la matière évolue et se modifie. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur l'univers et la matière. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écoutez l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.